Ténon et Unizon ont sur le point de se séparer. Ténon et Unizon ont montré aux yeux du monde qu'ils s'aiment véritablement. Mais depuis hier dimanche 3 juillet, les posts de la web humoriste ivoirienne nous mènent une piste de séparation. Avant toutefois de commencer, j'espère que vous allez bien. Veuillez regarder la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker et vous abonner. Si c'est la première fois que tu ouvres cette chaîne, n'oublie pas de liker et t'abonner sur la notification. Là, tu seras informé à chaque fois que j'aurai des informations sur nos stars africains. Et c'est déjà la fin d'idéal entre Unizenou et Ténor. Les différents posts de la web humoriste ivoirien et du rappeur camerounais semblent préciser quelque chose que nous ignorons. Les deux tutoros s'affichent toujours très amoureux partout. Mais il a suffi d'une publication intrigante d'Unizenon pour amener à des internautes, comme rien ne leur rate, de se poser des questions. Si je savais que le voyage allait changer complètement, mes aspirations, mes croyances, mon esprit, mon âme, ma vie, je n'allais peut-être pas avoir le courage de le faire, elle a écrit dans les réseaux sociaux. Mais rien ne présageait d'une véritable rupture à travers ce post. C'est le commentaire. Madame Ténor, d'une internaute qui a poussé encore la web humoriste à répondre pour éclairer plus ou moins les gens. Sur l'acte de naissance des filles de joie, il est écrit en petit caractère, Madame Ténor. Moi, je n'avais pas vu ça. Je me suis jetée dedans, enlevé ça sur moi. Rechante-t-elle avant d'ajouter. Enfin, je suis libre. Le reste, Dieu gère. Je ne peux avoir honte d'avoir aimé. Mais quand c'est fini, il faut que chacun avance et assume ses responsabilités au lieu de vouloir retourner la situation. Cependant, dans un autre post, Ténor a répliqué pour dire simplement « Ténor, c'est fini, malheureusement ». Par contre, la chanteuse Manibel a divorcé récemment ne veut pas croire à une quelconque rupture entre la web humoriste et le rappeur Ténor. Ténor et Unis, je n'aime pas ça. Unis, arrête ça vite. Mon fils t'aime, merci. Écrit-elle sur sa page. Tout comme l'artiste camerounaise, beaucoup d'internautes pensent que les deux stars sont en train de mener les gens en bateau. La suite chose nous suitera vraiment sur cette affaire de rupture. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et vous abonner. A plus pour une nouvelle information sur nos stars africains.